écoutez, j'ai eu l'occasion de le dire, je pense qu'aujourd'hui en particulier, et je l'ai fait hier soir, c'est avant tout reconnaître le courage, la dignité du président de la République. Parce que la décision qu'il a prise est une décision qui était très dure à prendre. Elle est dure sur le plan personnel pour lui, je le pense, et elle est historique sur le plan institutionnel, puisque c'est la première fois qu'un président de la République ne se représente pas. Vous avez été surpris ? Je ne vais pas faire de commentaires au-delà de ça. Je pense que c'est pour la vie politique de notre pays, évidemment, un moment important. Moi, je veux ici redire, comme je l'ai d'ailleurs toujours fait, quels qu'aient parfois été nos désaccords stratégiques qui m'ont conduit à quitter le gouvernement il y a quelques mois, le respect que j'ai pour la fonction, bien entendu, mais pour l'homme. Est-ce que ça change la donne pour vous ? Est-ce que vous pensez à la primaire aujourd'hui ? Je pense que ce serait indécent aujourd'hui de sombrer dans des jeux de tactique politicienne. Le président de la République a pris une décision qui l'honore, qui engage sa personne, mais qu'il a prise et l'a reçue hier dans l'intérêt du pays. Et donc, vous savez, ce qui compte dans la vie politique, c'est peut-être de davantage se préoccuper de nos concitoyens, de leur vie au quotidien, des réponses qu'on doit y apporter, plutôt que de ce théâtre d'ombre qui est devenu notre vie politique. Votre ligne ne dévie pas. Non, elle ne dévie pas. Vous me reconnaisserez de la constance depuis le début. Est-ce que vous pensez que vous avez contribué à cette décision de François Hollande ? Écoutez, interrogez plutôt celles et ceux. Mais est-ce que vous pensez que vous avez contribué à faire que lui ne s'y présente pas, puisque vous vous posez en adversaire ? Non, vous m'avez toujours entendu, madame, avec le respect et la détermination qui est la mienne. J'ai, en tant que responsable politique, toujours exprimé mes positions avec extrêmement de clarté. Du premier jour où j'ai été nommé ministre, j'ai servi mon pays pendant 2 ans avec détermination et engagement au sein du gouvernement. Lorsque j'ai eu des désaccords, je les ai exprimés publiquement. Ils m'ont conduit à créer un mouvement politique puis à quitter le gouvernement en responsabilité pour aussi dénoncer le cynisme et les règles de la vie politique que j'avais vues à l'œuvre. Donc vous ne m'enlèverez pas cette cohérence, cette détermination qui s'est toujours faite dans le respect du président de la République en tant qu'institution et en tant qu'homme. Mais la place cela n'a pas toujours été le cas de tout le monde, y compris des donneurs de leçons. Donc allez plutôt chercher de ce côté-là c'est responsabilité qui les donneurs de leçons, des c'est uns qui ou les des autres. De leçons, je n'en dirai pas plus aujourd'hui. C'est qui, c'est les médias, mais c'est je dis simplement que c'est le chemin que j'ai suivi et que j'ai aujourd'hui, comme toujours, beaucoup de respect et de considération pour le président de la République. Avec vous espérez de nouveau soutien aujourd'hui, on parle peut-être de Ségolène Royal derrière vous, vous espérez de nouveau soutien. Mais mon souhait depuis le premier jour, c'est de construire une démarche politique claire, déterminée, qui permette à tous les progressistes de se retrouver. Ça veut dire toutes celles et ceux qui croient dans l'innovation, qui croient dans la refondation de, justement, nos protections individuelles, qui croient dans plus d'agilité de notre économie, dans des nouvelles sécurités, dans une formation de tous et un investissement massif dans l'éducation, qui croient dans une société ouverte où chacune et chacun a sa place, qui croient dans une nation exigeante et bienveillante, qui ne sombre pas dans les divisions dans lesquelles on a parfois voulu la faire sombrer, et qui croient dans l'Europe et la place qu'a la France dans l'Union européenne.